Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Alors, vous m'avez envoyé presque tombé de ma chaise sur une prédiction que des flashs, donc que j'ai depuis la fin de l'année dernière, qui concernait la justice, le milieu de la justice. Où je vous ai dit plusieurs fois, c'est vous qui vous en souvenez, mais je m'en souviens aussi. C'est bizarre, comment ça serait possible que je vois des hommes en uniforme qui appartiennent au ministère de la Justice, finalement, qui sont là pour notre sécurité, entre autres, et qui manifesteraient. Ça ne me paraissait pas possible parce que j'avais eu compris que. Les policiers, les personnes qui travaillent dans la justice n'ont pas le droit légal de manifester. Eh bien, je ne me suis pas trompée et je remercie les belles personnes qui m'ont fait les retours. Donc, j'ai quelques articles à vous montrer. Mais dans le journal d'Élus Lumineux pour l'année 2024, qui s'appelle Borderline, à environ. Bah là, j'ai noté, attendez. À environ 1 minute 20, je vous ai tiré l'extrait. Je donne carrément la datation de février-mars. Donc ne quittez pas, je vais vous faire écouter ce que j'ai dit, mais je l'ai dit dans d'autres prédictions. Alors là, j'ai mis de côté vos petits retours positifs. Hein. Lisa, retour positif, les policiers municipaux. Municipaux, appel à la manifestation. Tu nous l'avais prédit dans une de tes vidéos, donc je l'ai prédit dans plusieurs vidéos. Donc voilà, c'est bien des hommes en uniforme. Alors j'ai plusieurs capsules de retours positifs à faire. Vous m'avez envoyé beaucoup de retours concernant la sécheresse, concernant. L'eau potable souillée, même de l'eau de grande marque en bouteille, concernant la voiture électrique, concernant le nouveau fonctionnement de moteurs à turbine qui produisent de l'électricité, qui produisent de l'énergie à partir de l'hydrogène, à partir de l'eau. Il nous avait dit les lumineux. Donc j'ai beaucoup de capsules à faire. Je ne sais pas si j'aurai le temps de les faire. Donc voilà, ce sont les policiers municipaux. Donc là, c'est le journal Sud-Ouest, ils expliquent. Hein, et c'est bien le mois de février. Vous voyez, la datation est infalsifiable, le 2-02-2024. Et vous écouterez dans la capsule que je vous ai extraite, je parle bien de février-mars, et que c'est un mouvement qui va se durcir. Hein. C'est un mouvement qui ne cédera pas. Je pense qu'ils en ont assez d'être la cinquième roue du carrosse. Mais il n'y aura pas que. J'avais vu souvent le personnel pénitencier. J'entendais vraiment le mot pénitencier. Voilà. Là, on parle des salaires, on parle de la retraite, 58 ans, 64 ans. Enfin bref, c'est vraiment pas possible. Les panneaux sont à l'envers. On a eu les agriculteurs, ils ont, bah voilà, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Je n'ai pas trouvé nécessaire de faire une vidéo pour les agriculteurs parce que je savais que ça se résoudrait plus ou moins dans les moins de 7 jours parce que l'élu lumineux me l'avait dit. Donc, j'aurais même pas eu le temps de prendre ma caméra au milieu des 10 milliards d'activités que j'ai. Donc là, c'est encore un autre article de journal que vous m'avez envoyé en Bourgogne. Donc, ils sont en grève et ça va être national, hein, carrément. Là, on peut lire hein. Meilleure reconnaissance, reclassement. En catégorie supérieure, voilà les grilles, les filières, enfin bon bref, et j'y croyais pas, je me croyais pas. Donc là voilà, bah tiens, ça c'est pour l'espèce de turbine et tout, et l'eau. Alors là, j'ai reçu énormément de documents sur l'eau, des sauvetages de poissons, enfin voilà, il y a eu de la neige, mais pas suffisamment. Et je me souviens que, alors, dans la chaîne, je vais retourner à la chaîne, c'est pas difficile pour ceux qui arrivent, hein, pour les nouveaux qui arrivent en masse, vous êtes nombreux quand même. J'ai une playlist et vous avez les voyances en direct, journal d'élus lumineux, les retours de voyance infalsifiables
parce que c'est YouTube, on ne peut pas truquer les dates, et les vidéos, toutes les vidéos que j'ai faites. Donc là, je vous montre, j'ai fait des vidéos vraiment. Donc, vous m'avez envoyé des messages pour les banques. Donc, j'ai fait une vidéo de retour positif, puisqu'il y a des petites banques qui ont rejoint des grandes banques. Donc, des petites banques qui ont fermé. Arrêtez d'écouter des vidéos catastrophes. Je ne vais pas refaire des vidéos comme dans le temps parce que l'autre a dit retirez votre argent de la banque et tout ça, c'est dangereux. Vous voulez écouter des vidéos à sensation où ils ne sont là que pour gagner de l'argent? Moi, j'y suis pour rien. Vous avez les vidéos, je les ai fait sur un possible crash immobilier. Je vous ai fait les vidéos sur la rébellion, s'il y aura la guerre en France, ben déjà retour positif parce qu'on n'a pas la guerre en France. On a des manifestations, mais ce n'est pas la guerre comme chez les copains. Voilà, sur les enseignants, vous avez, sur les partis politiques, vous avez, sur le RSA, une mort annoncée. Ça, vous pouvez être sûr que ça en prend le chemin. Les voitures électriques, tout ce que j'ai dit d'ailleurs dans cette vidéo, c'est réalisé. J'avais vu bien avant tout le monde le nom du changement de. C'était Pôle emploi, maintenant ça s'appelle France Travail. Bienvenue au club Quoi de neuf sous le soleil, j'ai envie de dire. L'hôpital et puis sur l'eau. Je vous ai fait la vidéo sur le climat. Cette vidéo, pour moi, elle est très très importante parce qu'il y a beaucoup de canalisations dedans. Je vous ai fait les vidéos sur où est-ce qu'on va, où en est-on, et sur l'eau. Voilà, l'eau, la disparition du petit bébé, bah, ça, retour positif, hein. Quoi de neuf sous le soleil? Alors, je cherche l'eau parce que j'ai fait des vidéos dédiées. Voilà, sécheresse. Donc, vous avez les vidéos sur la sécheresse où je parle de l'eau, les pénuries d'essence. Mais j'ai fait une vidéo sur l'eau, la vie. Peut-être que j'ai pas classé bien. Ah, il va falloir que j'aille la rechercher. Parce que je me souviens très bien de cette vidéo sur l'eau, la vie. Et il y a tout dedans. En fait, et j'ai les datations. Alors, ce n'est pas parce qu'il y en a qui ne savent pas dater que la datation n'existe pas. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas faire quelque chose que ça n'existe pas. Il faut ouvrir nos esprits un petit peu, hein. Donc, sécheresse jusqu'à quand? Mais je crois que c'est cette vidéo-là quand même. Temps, cela aurait pu Oh là encore là, être je ne caché. le mets pas parce que. Alors, vous ronchonnez beaucoup pour les publicités. Ils placent leur publicité où ils veulent, hein. Dans la chaîne Spotify, je retransmets dorénavant tous les directs, les débats, les vidéos de lecture et tout. Bon, pas les vidéos de prédiction, je ne vais pas les mettre sur Spotify. Faut pas exagérer. Et si vous n'êtes pas abonné, vous aurez de la publicité. Mais moi, je ne touche rien du tout de Spotify, ni de nulle part. Hein. Très, très peu. Donc, le coût de la vie, je vous ai fait les prédictions. Mais vraiment, dans Borderline, la vidéo qui est là, j'ai fait tous les sujets. Voilà, que vous m'avez demandé. Donc, ne quittez pas. Je vous remercie pour tous vos retours. Mais l'eau, je vais refaire une vidéo parce que c'est très, très, très inquiétant. La Catalogne est en sécheresse extrême. Nous sommes en février 2024 et ils sont déjà rationnés. C'est quand même violent. Et je vous ai toujours parlé de l'eau. Vous pourrez attester dans les commentaires. Dans le groupe fermé Facebook, vous me faites tout le temps des retours parce que vous vous souvenez de ce que j'ai prédit. Voilà. Donc, je rappelle que la voyance, la divination, ça sert à éclaircir le chemin, ça sert à comprendre les situations, ce que nous vivons. Ça sert à anticiper, à se préparer. Par exemple, quand je vous ai préparé à un hiver neigeux très très froid, ben moi je sais que ma voiture elle a été immobilisée plusieurs jours. Donc ça trouve son utilité sur le plan terrestre, à condition d'avoir cette faculté. Alors vous pouvez aller voir mon planning en ligne. J'ai mis des dates pour mars. Ne traînez pas trop parce que je sais qu'il n'y en aura plus. Et je ne crois pas que j'en ai mis pour avril pour le moment. Je ne me projette pas. Je l'ai déjà expliqué plein de fois. Sinon, vous avez la petite question. En ce moment, c'est à 20 euros. Je laisse à 20 euros.
comme ça vous pouvez avoir du réconfort et des messages de vos lumineux si vous êtes en difficulté. Et puis, je vous ai mis un atelier en partenariat avec Philippe Ferrer, on ne vous demande pas d'y croire. Je vous ai mis un atelier cartomancie pour le samedi 24 février. Je l'ai publié sur tous mes réseaux sociaux. Vous pouvez vous inscrire directement. Et ce sera un atelier qui est différent un petit peu de celui que j'ai fait avant. J'aime pas refaire tout le temps la même chose. Donc, on va travailler sur une méthode un peu plus complète. Puis on s'entraîne entre nous, c'est très sympa. Ne quittez pas et écoutez bien l'extrait que je vous ai capté de Borderline, le grand journal des Lulumineux du début d'année. Namasté, mes amis d'ici ou d'ailleurs, et merci pour vos retours, et merci d'être là, et courage aux manifestants, aux hommes en bleu. Ils ont des raisons de le faire. Voilà, on marche vraiment sur la tête et c'est pour ça que les panneaux ne sont pas prêts d'être remis à l'endroit. Ça. Oui, aïe. Alors, j'ai de la colère. Hein. J'ai beaucoup de colère en février-mars du personnel juridique et il n'y a rien à faire, ils n'en démordront pas. Alors, tout ce qui est juridique, ça veut dire policier, ça veut dire gendarme, ça veut dire personnel pénitentiaire, ça veut dire tout ce qui s'articule au niveau de la justice. Mais j'ai un durcissement qui va se faire. Alors, est-ce qu'il va investir là-dedans? Il a placé un pote à la justice, lui. Qui est le ministre de la Justice? Quelqu'un peut me le dire? Non, on ne peut pas tout soigner, la médecine naturelle. Mon parcours, la justice, oui. Le juridique et ça. Oui, aïe. Alors, j'ai de la colère. Hein. J'ai beaucoup de colère en février-mars du personnel juridique et il n'y a rien à faire, ils n'en démordront pas. Alors, tout ce qui est juridique, ça veut dire policier, ça veut dire gendarme, ça veut dire personnel pénitentiaire, ça veut dire tout ce qui s'articule au niveau de la justice. Mais j'ai un durcissement qui va se faire. Alors, est-ce qu'il va investir là-dedans? Il a placé un pote à la justice, lui. Qui est le ministre de la Justice? Quelqu'un peut me le dire? Non, on ne peut pas tout soigner, la médecine naturelle. Mon parcours. J'ai peur que les gens s'accrochent à ça. Et je voyais beaucoup de petites structures. J'ai beaucoup de colère en février-mars du personnel juridique. Et il n'y a rien à faire, ils n'en démordront pas. Alors, tout ce qui est juridique, ça veut dire policier, ça veut dire gendarme, ça veut dire personnel pénitentiaire, ça veut dire tout ce qui s'articule au niveau de la justice. Mais j'ai un durcissement qui va se faire. Alors, est-ce qu'il va investir là-dedans? Tu me dis. À mélanger les deux, mais en même temps, il y a du bien-être. Donc, à suivre, hein, j'ai envie de dire. Alors, tu me dis. Ouais, ben oui, vous voyez, j'ai le médecin qui sort avec le stéthoscope. Février. Février-mars, qu'est-ce que tu veux nous dire? La justice. Oui, aïe. Alors, j'ai de la colère. Hein. J'ai beaucoup de colère en février-mars du personnel juridique et il n'y a rien à faire, ils n'en démordront pas. Alors, tout ce qui est juridique, ça veut dire policier, ça veut dire gendarme, ça veut dire personnel pénitentiaire, ça veut dire tout ce qui s'articule au niveau de la justice. Mais j'ai un durcissement qui va se faire. Alors, est-ce qu'il va investir là-dedans? Il a placé un pote à la justice, lui. Qui est le ministre de la Justice? Quelqu'un peut me le dire? Non, on ne peut pas tout soigner, la médecine naturelle. J'ai réussi à mettre des mots parce que j'arrivais pas à bien me définir, à définir mon parcours. Et Sylvie a mis des mots clairs parce que ça me fait peur, parce que j'ai peur que les gens s'accrochent à ça. Je voyais beaucoup de petites structures il y a un an et demi, beaucoup de petites structures, des grosses maisons médicales avec même du personnel.
tranquille, tranquille. Gauche, machin, truc bidule. Égo, pouvoir, argent. Tu reviens au milieu, tu commences à te sentir mieux. C'est la loi du Tao. Tu vas de l'autre côté, égo, pouvoir, argent. À toi de décider ce que tu veux. Il y a beaucoup de bénévoles. Il y a certainement, ça j'ai eu en canalisation, à rappeler d'anciens gendarmes, d'anciens policiers. Est-ce qu'on peut appeler ça des réservistes? Je ne sais pas. Je ne connais pas le fonctionnement. Pour venir encadrer, qui vont être axés sur cette bataille, ce combat. Hein, ce combat pour éliminer. Oui, la lame du tarot, la witch. Alors, plus j'avais prévu de le dire, merci Bulle de Muesli, le pseudonyme, c'est marqué comme ça. Oui, oui, le 8, la justice. Donc, la lame du tarot nous invite à rester dans des plus loin équilibres et de ne pas partir dans les déséquilibres des extrêmes du 8. Alors, le 8, vous voyez, donc il a son attache au milieu. Je voyais beaucoup de petites structures. C'était il y a 2 ans. Il y a 1 an et demi, beaucoup de petites structures.